les amis, je reviens vers vous pour faire une petite aquacard. Vous allez me dire, ouais, t'en as fait il n'y a pas longtemps. Ah non, mais là, je suis partie dans la période, hein, donc je suis pas au point de m'arrêter. Hein. Ah bah là, 14 sur 9. D'accord. Et on viendra bien sûr arrondir les coins. Je vais prendre mon massicot. Je sais pas quoi faire si je m'achète un petit massicot parce que franchement la guillotine c'est pas spécialement précis. Vous voyez, des fois ça part en cacahuète. Pas droit, donc je sais pas. Donc, par contre, c'est bien quand on a un petit massicot qui tient sur le bureau, qui est pas embêtant. Non, ça me paraît pas droit. Je vais arrondir les angles. On arrondit les angles. Bon, moi j'ai fait l'aquarelle à l'avance. Hein, parce que peindre sous vos yeux, j'ébahis. Oui, normalement ça tient, vous voyez. Je vais faire celle-là parce que j'ai envie de faire celle-là. Pourquoi? Bah parce que en cherchant des découpes, autrefois, j'ai trouvé ces petits papiers. Et je trouve qu'ils sont ces petits papiers que m'avait envoyé Sylvie. J'aime beaucoup. Et je trouve que ça va très bien avec. J'ai envie de faire celui-là aussi. Et bon, avec des petites, je sais pas si vous voyez, des petites lavandes. Je trouve ça très joli. Et là, c'est quoi? Ok, je sais pas quoi faire, mais j'ai envie de prendre peut-être quand même le petit carreau qui fera plus. Vous savez, la vieille Amérique là. J'adore. Je sais pas où t'as vu ces papiers, mais ils sont magnifiques. J'aime beaucoup. Donc on va tourner autour. Voilà. Je vais peut-être faire au ciseau d'ailleurs. Voilà. Je vais venir arrondir également mes angles. Voilà, je vais venir mettre ça là. Collé. J'espère que vous allez bien et que vous serez quand même nombreuses malgré les vacances à participer au défi. Voilà. Je vais faire vieillir, bien évidemment. Moi, j'aime bien quand c'est vieilli, j'aime bien. Donc, c'est celle-là que j'avais pris chez ces pures palettes. À chaque fois, je cherche, je ne me rappelle plus. J'en ai mis un autre de côté qui est turquoise. Bah voilà quoi. Donc. Je vais commander le turquoise. Franchement, je les trouve pas mal du tout. Hein. 1,60, je crois que j'ai payé. 1,60 le pad d'encre. Qui est de la taille d'une Versafine. Hein, en termes de taille, c'est la même quantité. Quoi. Et franchement, on est 1,60.
En plus, il y a quand même plusieurs sortes de marrons. Vous voyez, franchement, je ne sais pas si je vais pas me recommander. Hein. J'ai mis une turquoise de côté, mais je ne sais pas si je vais pas redemander une marron. Parce que peut-être que dans le temps, ça tient moins qu'une Versafine. Logiquement, hein, parce que si c'est pareil, alors là, je vais faire comme ça quand même, un peu bien, un peu. Un peu vieillir, je vais faire mes tâches. Parce que ça. J'aime. Voilà, on va faire comme ça. Lui, je l'avais aussi marronné, mais. Peut-être qu'il est un peu trop blanc, le fond blanc, j'aurais peut-être dû faire un autre fond. Et je vais voir mon tampon tâche. Alors, où est-ce qu'ils sont? J'avais un petit peu rangé. Et là, mon tampon tâche. J'ai envie de mettre celui-là. Celui qui a beaucoup de tâches. Je vais mettre en marron aussi. Hein. Par contre, j'ai pas la plaque. J'ai une plaque, mais. On va faire comme ça, on va voir ce que ça fait. Hein, parce que là. J'ai pas du tout. Ouais, ça va. Ça va comme ça. Faudrait que j'en trouve aussi une grande plaque. Bon, là, il y aura les camions, je pense, donc. Un tout petit peu et c'est bon. Et après, il faudra bien sûr la nettoyer. Tu m'étonnes. Voilà, j'ai encore du marron sur les mains. C'est bien. Donc, elle, je vais la mettre comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Dimo. Ah, je voulais vous dire que dans les dimo comme ça, ça c'est celle que j'ai trouvée chez Aldi. Le ruban qu'on vend chez Action, les verts, les mauves, les roses, il marche, il fonctionne. Il marche, j'aime mieux dire marche, moi. Il marche dans cette dimo. Ça va dedans, ça, il n'y a pas de problème. Donc j'irai à l'occasion me rechercher. J'en avais un peu d'avance. C'est dommage, ils ne vendent pas du noir chez Action. Mais j'irai quand même m'en prendre, parce que c'est pratique. Alors, les couleurs. J'avais de la mauve. Mais avec ça, je sais pas. J'aurais préféré noir. On va voir que je remette le noir dedans. Je sais pas. Ah, mais s'il est là. Ok. Bon. Je vais voir avec ça. Donc, on enlève. On remet. Ça, tool, on va essayer de mettre ça droit, ça on enlève. C'est fou, hein. Ça, c'est parce que je dois avoir des poils sur les vêtements et ça vole.
Le volailleur, quoi. Et là, je mets... Hop, ça, on va un peu couper. Voilà. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est venir coller ça. Pour pas que ça bouge, hein. Vous voyez, ça, c'est vite que ça bouge. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je vous le demande. Ça aurait été bien un petit arbre. Ça aussi, ça c'est vieux. C'est Nathalie Gall qui m'avait, Nathalie G qui m'avait envoyé ça. Et c'est vachement mignon. C'est très. Là, il y a écrit surprise, mais bon, ça va pas avec ça. For you. Le petit gâteau. Make a wish, c'est mignon. Faut voir. Par contre, ça colle plus. Pourquoi Make a Wish? Ça n'a pas de rapport, hein, mais bon. C'est mignon, hein. Vous voyez, c'est histoire de mettre... Faut que j'achète de l'encre aussi, parce que j'ai plus d'encre dans mon imprimante. Ah, je peux rien accrocher, imprimer du tout. Je regarde, hein. Ah, j'aurais pu mettre ça, alors... Vous savez, autour de mon petit tag. On va faire comme ça et on va couper. Ah bah d'accord. Attends, on va quand même. Bah, je vais déjà faire ça. Vous voyez, vu la taille du truc, on va faire petit. Je vais essayer quand même de coller avec la couche chaude, ça ira plus vite. Ah, c'est encore mon truc de toilette. Ça chauffe, hein. Croyez-moi, ça chauffe. Voilà, et puis je vais quand même virer ça sans me brûler, tant qu'à faire, et coller ça là. Là, il fallait mettre un tout petit comment. Ah, ça chauffe, un petit nœud comme ça, quoi. Oui. Voilà, mettre un petit truc comme ça peut-être. Et là, on vient coller ici. Hop. Oui, comme ça, c'est. Non, il veut pas. Il rebique absolument le machin là, l'étiquette. Voilà, comme ça, ça fait le type qui voyage. Je sais même pas si j'ai collé ça droit. Ah ben ça déchire le papier. Bon, on le laisse comme ça, c'est pas grave. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Hein. Je vois pas. J'ai des petits trucs. J'ai un drapeau américain, mais. C'est même pas s'ils sont là en plus. C'est pour je pourrais mettre là. Bien sûr. Là, c'est j'ai mis des. La perlasse, chacun des couleurs. Ça, c'est quoi? C'est sec. Peut-être mieux celle-là d'ailleurs. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ouais, bon, on va en mettre. Faut vraiment mettre un petit peu. Hein. C'est comme ça. Il aurait fallu quand même une troisième. Là.
Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous le dire. Je vais mettre comment? Un point de colle chaude parce qu'elle ne veut pas tenir. Là. Et je pense pas qu'elle aura le dernier mot. Hein. Elle n'aura pas le dernier mot. Hop là. Voilà. Vous voyez? Je pense que là, logiquement, ça va tenir. Voilà. Même ça, ça aurait été mignon dessus aussi. Faire sécher, ça aurait été pas mal. Tiens, je vais regarder dans mes faire sécher. J'ai juste trouvé ça, une toute petite branche un peu sapin, un peu bleu-vert, qui rappelle un peu les couleurs de... qui rappelle les couleurs du de l'ensemble de la carte quoi. Voilà. Vous voyez, j'ai mis ça là à côté. J'avais ça, j'ai dit déjà que je tourne un peu vers l'automne en ce moment. Hein. J'ai regardé des tampons automne, ils sont magnifiques. Et je pars un peu vers l'automne. Hein. Ben, ça c'est parce que je suis pressée. Voilà. À tous, de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis que vous n'hésitez pas à faire des aquacards. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà, le plus compliqué, c'est les ongles. Ce qu'il faut que je m'achète, c'est un Posca blanc. Ça, il me faut absolument. J'attends que mon... comment s'appelle, Cultura, il ouvre à côté de chez moi. J'ai rien à prendre. Voilà, la petite carte, le petit truc, la petite étiquette. Voilà, rien de compliqué. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye.